Salut à tous, alors on se retrouve pour ce qui est je pense peut-être la dernière partie de la tour de Wanef, mais je me suis rappelé quelque chose et je pense que c'est loin d'être fini en fait. Parce que je crois que quand on rencontre le Meldanev, je crois que c'est ça, il va nous demander de faire un petit truc dans un autre monde. On va voir ça. Et je crois que ça prend plus ou moins longtemps. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça fasse après une autre vidéo courte, voilà. J'essaie de faire des... Chaque vidéo égale une zone, plutôt que voilà, faire la moitié d'une vidéo à la tour et l'autre la route du sud par exemple. Alors en plus ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Donc on va monter. Premier étage. Ah bah là oui, j'ai pas fait. Sympa ça. Je sais pas ce que c'est exactement comme je l'ai jamais vu. Alors aide 3 fois par jour, bénédiction 2 fois par jour. Oh c'est cool ça. Ah j'ai jamais vu cet item là. Oh, c'est vachement sympa. Parce que du coup aide et bénédiction en fait je peux virer donc toutes mes bobos de bénédiction et aide en plus vous voyez j'en ai qu'une seule. Donc ça c'est sympa. Et ça pèse pas trop lourd, 500 grammes voilà. Bah du coup vous voyez en jetant mes deux popos, enfin mes deux styles, ça me ferait 600 grammes en moins. Et sur le long terme, c'est vachement plus viable quand même. Après ça prend autant de place du coup, hein, si j'en ai deux comme ça côte à côte. Mais si j'en ai plus de 10, voilà ça dépasse les 4 cases. Ah ça c'est cool ça. Même pas que ça existait cet item, c'est... on découvre tous les jours, hein. Un sac de but, hein. Hop. Je me repose parce que je sais pas ce qu'il y a à travers le portail. Je sais pas si on arrive directement dans la chambre de Wanef ou si on arrive dans un autre monde. Alors là, bonne question. Sans mon PC n'a pas décidé d'être sympa parce que là le gros coup de lag que j'ai eu c'était loin d'être gentil, donc du coup je vais m'équiper tout de suite. Hop, et toi l'autre sort. Oh, ça je fais pas automatiquement ça. Hop, voilà, je vais me lancer tout ça et ça passera déjà un petit peu mieux. Après si j'ai pas de tri ça passera même encore mieux je pense. Fréquence, régale,
Ah, du coup, là, le... C'est quoi le premier? Aide. Aide, c'est ça qui rajoute les points de vie temporaires, donc c'est OP quand même, hein. Je gagne 7 points de vie. Vous me direz, c'est pas forcément grand-chose, mais c'est pas bien me sauver la vie. Pour une fois, il faudrait que je fasse gaffe, comme je vous disais, quand je me reposais. Si il me reste 7 points de vie ou moins, en me reposant, poum, si j'ai encore le buff, je crève. Ça, c'est assez dangereux. Holy shit, il va être super balèze à tuer. Il m'a infligé 4 points de dégâts, donc vous voyez, je serai mort. 24, mais je suis toujours étourdi. Il va pas être facile, hein. Je me souvenais qu'il était balèze. Ah, là, du coup, en plus, la combustion, de ce que j'ai vu, ça lui a rien fait. Est-ce que je m'équiperai pas d'autre chose? Du coup, il y a quoi comme popo que j'ai pas mal? Je peux prendre l'endurance. Rapidité, je peux. Sagesse. Force. Peau d'écorce. Clarté, c'est pour les sorts d'esprit. J'en prendrai un. Allez, on reteste comme ça. Ah, est-ce que j'ai des amulettes qui pourraient m'aider? Acide, non, j'ai pas vu d'acide. Et sûrement en ce moment j'ai quoi comme ceinture? Ceinture de force, je vais prendre la ceinture résistante magique. Ainsi que ça. Voilà, acide, feu, froid, nickel. Après c'est quoi ces vigueurs et roublard? Ouais, je crois pas qu'ils soient des bonus intéressants pour ce combat là. Voilà, j'ai deux trucs résistance à la magie, bon ça passera peut-être un petit peu mieux. Oh mais même là, je me fais choper par l'étourdi. Abusé ça. Bon là j'ai plus de vie, 45 sur 45. Même pas que ça le réveillerait hein, de se prendre ça sur la gueule. Allez, please. Impossible, ouais, donc c'est pas n'importe qui non plus hein, ce type là. Oh bah le feu il peut y aller, hein, ça m'arrange même. Vas-y, vas-y. T'as pas au feu mec. Non, pas la foudre. Ah merde, je peux bouger. Je sais pas depuis quand. Mais... Oh là, là, du coup, il devient gentil, entre guillemets. Il va nous demander de faire quelque chose pour lui. C'est ça qui va être un petit peu plus ou moins long, je pense. Mais du coup, je vais dormir parce que là, c'est vrai qu'il a cramé quand même pas mal de sorts. Ta-ta-la-ta-la-ta. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ses coffres? Piège. No comment. Par contre, ouais, j'ai pas réussi à me debuff. Faudra que j'utilise une petite popo. Oh, j'en ai 9. Et après au niveau des sorts, j'en ai 6 partiels et 3 grosses. Ah bah si, c'est bon, ok. À la fin du repos, c'est parti. Et c'est quoi que j'ai pris qui était trop lourd? Trousse de piège, trousse de secours, et pourtant j'ai 3 kilos qui dépassent. Ah oui, j'avais la ceinture de force. La ceinture de force du type. Ok, voilà. 110 kilos, je peux porter. Je le garde de côté parce que de toute façon... remarque, j'ai pas envie de la vendre sans faire exprès. Je le mets ici. Il y avait un anneau aussi que j'ai bougé. Anneau de vigueur 2, je pense, c'est ça. Voilà, allez. On va discuter un petit peu.
montrer trop impétueux en vous attaquant. Voilà, voilà. Donc c'est... Voilà, il faut que j'aille tuer en fait Gulgash, et en récupérant la gemme, après il faut que je la mette voilà, dans le brasero. Et ça fermera le portail qui est ici, qui invoque du coup plein de saloperies. Et normalement, après, du coup, en échange, du coup, le OneF va me donner la gemme que je demande, on va dire. Ah, les statues qui à mon avis étaient liées au piège donnent des trucs. Chelou ça. Tant mieux. Est-ce que ça s'est piégé aussi? Allez, on tente. 1, 2. Du chaud. Caisse. Alors, non, j'en garde des sorts. Ouais, plus que de boules. Oula. Ils sont insensibles à quoi? Enfin, sensibles à quoi? Ouais. Je crois qu'ils sont... Ils ont pas de résistance, ceux-là. Ok. Otano, Fultigama.
vais faire un petit dodo après avant d'affronter le mec avec ses deux chiens parce que là j'ai plus beaucoup de ça. Oh, même si je peux pas lancer la boule de feu forcément sur les chiens sataniques là. Un petit bouclier magique. Je peux lancer la boule de foudre quand même qui fait pas, presque autant de dégâts, hein, voire autant je pense même. Attends, je me mets à l'écart. Vas-y, tu peux dormir ici. Bon, cette fois je dors et du coup on en était aux dégâts de ces deux sorts. Alors 1d6, maximum 10d6. Et la boule de feu, pareil, voilà, c'est ça. Mais du coup voilà, c'est l'avantage quand il y en a qui sont insensibles au feu. Hop, boule de foudre, vice versa. Otano, full digama. 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 Ça, 125 XP quand même le petit méfait là. Donc ça peut expédier quand même. Hein. Donc là maintenant le petit truc tendu, ça va être essayer de tuer Wanef quoi. Ça va être super délicat. On fait vachement de dégâts le temps avant qu'il se TP. Comme ça je pourrais récupérer en plus son stuff. Enfin du moins les objets qui m'autorisent à ramasser. On va commencer par balancer le cœur, c'est ça, de la bestiole là.
Attends, je vois rien. Alors, le bras trop. Ouais, ça, le cœur de Gulgash. Alors, le petit truc dégueulasse, il est où? Ici. Boum. Ce que je t'ai mis. Dodo, et puis après on est reparti. Ah bah nickel. Vu que j'ai pas coupé le dialogue, si vous voulez, il a pas lancé son TP. Donc du coup j'ai pu défoncer. 525 XP. Je up et je récupère une baguette. Baguette de quoi? Énergie négative. Rayon de givre. Avec 50 charges. Et flèche sûre, ça c'est cool. J'ai vu que j'avais ramassé un manteau supérieur. C'est une des protections magiques les plus balèzes. Mince, voilà. Manteau de source supérieure. Ça c'est vraiment OP. Niveau 17, vous voyez quand même. C'est pas n'importe qui peut le faire. Allez, changement de niveau. Du coup, on a dit qu'on gardait lanceur solaire pour un petit moment. Je vais mettre mes points concentration, j'en ai vraiment besoin, c'est abusé. Connaissance des sorts, persuasion, non. C'est pas mon truc de classe, savoir. Ouais, on va faire comme ça je pense. Concentration, connaissance des sorts. Ouais, la prochaine fois que je mettrai tous mes points en connaissance des sorts, on fera comme ça. Ah. Alors, un nouveau sort de niveau 4. Oh, flot de projectiles d'Isaac. Ça c'est fun ça, vous allez voir. Ah, il y a tempête de grêle, remarque. Ah, je le prendrai après, toute tempête de grêle. Ça c'est monstrueux comme sort. Ce projectile en fait, des arcanes, projectile magique, pardon, en beaucoup plus balèze, on va dire. Ça, je sais pas si ça pique plus, mais vous allez voir, il y en a beaucoup plus de petites boules, c'est fun. Bon, du coup j'ai gagné que 4 vies, hein. Mais bon, ça c'est d'office, hein, avec l'ancien solaire. Par contre, je suis vachement lourd. 117, qu'est-ce qu'il m'a donné pour que je sois si lourd le type? 100 PO, 150, masse d'armes double. Bon, je m'en fous de ton item. Pourquoi tu me donnes une masse d'armes double? Bonus dégâts contre les demi-orques, les goblinoïdes, les orques. Des dégâts de froid, je sais quoi, un des 6, c'est vrai que... Pff, elle est balèze, mais... franchement, enfin, elle est vachement lourde aussi. Et en plus, j'ai pas des sacs, elle est super super OP. Trop lourd. Ah, Damned. Ah, je suis un peu... Je suis un peu dans la merde quand même. Bon, autant je vais poser ça, ça me fait chier ces livres. Du coup, il me semble que j'ai tout fait maintenant. Reste, c'était quoi ça? Reste là-bas. Un truc que j'ai zappé.
porte, mais nous. Ok, menu ici tout simplement. Et ça, sortie. Ok. Et bon, on va prendre la sortie. Ah, faut que je mette mon nouveau sort d'ailleurs. Je vais mettre à la place de quoi? Oh, l'électricité là, je ne l'utilise jamais. Les charges électriques. Palapalapa. Étagère. Normalement, j'ai bien récupéré le bouquin, il me semble. Je revérifie juste. C'est les traités qui sont dans les étagères magiques comme ça. J'en ai 4 ou 5 à trouver, donc pas envie de retourner en arrière à chaque fois. Alors, mon sort. Hop. Fléau. Ouais, du coup, je suis obligé de dormir, comme je vous disais, dès que je débloque un nouveau niveau. Donc, les sorts, faut que je pionce. Et sinon, la route du sud avait fini là. Parce que je fais tout ça. La grotte je l'ai faite. Sinon je monte vers l'est. La grotte je l'ai faite aussi il me semble. Et du coup ouais. Bah on va aller vers boire aussi. Donc, on va pas commencer mais on va s'arrêter. Le portail de Wanef. Le pauvre quand même. Je lui ai fermé son portail et deux secondes après je l'ai buté. Et ça m'a fait gagner quand même du coup plus de 1000 XP hein, parce que E2 ils m'ont donné 1050 525 x 2. Après il m'a donné 10 XP quand j'ai fermé le portail avec un petit peu de PO et puis après du coup il y a tous les monstres qui sont à l'intérieur quand même. Donc franchement c'était cool comme endroit. Là par contre il me vaudra 11 capex presque. Pas tout de suite hein. Ça me fait combien, 39 vies? Ah, oh, je deviens plus fort là. Est-ce que je peux rééquiper d'ailleurs? Mais je crois pas que je vais rencontrer des trucs magiques ici. Bon, on verra ça la prochaine fois. Par contre, du coup, je vais m'arrêter ici pour pas commencer une nouvelle zone comme j'ai dit au début. Parce que j'ai fini la route de Wanef, j'ai fini la route du sud. Donc voilà, prochaine fois, on commence une nouvelle zone. Allez les gars, je vous laisse. A plus.